ce jeu. C'est sérieux. Donc, aujourd'hui, on joue à Contra. Et en haut, en bas, gauche, droite, B, A, select, start! Ouais, parce qu'on va quand même utiliser le truc des 30 vies, parce que sinon, parler pendant qu'on essaie de se concentrer, c'est un peu plat. Donc, la version japonaise a des cutscenes, comme vous pouvez voir, puis là, on explique, bon, un météorite est arrivé en 2631 sur la Terre, là, les falcons rouges, ces méchants, probablement extraterrestres ou des humains rendus fous, ont voulu envahir la Terre. Et évidemment, nous, en tant que bons Américains, soldats, les Greisers, on va aller sauver le monde parce que c'est très crédible de faire envoyer seulement deux soldats pour combattre. C'est très noble et très américain. Ouais, c'est ça. Donc, on voit ici, on nous présente les deux protagonistes. À gauche, c'est fortement inspiré de Sylvester Stallone, évidemment, un petit peu plus blondinet, je dirais. À droite, on a Sylvester Stallone, peut-être plus en mode Rambo. Moi, je trouve qu'à gauche, ça aurait pu être, tu sais, le gars dans Rocky, là, je vais te presser. Bon, ça commence. On a aussi la carte qui nous montre le chemin qu'on doit parcourir. Alors, c'est clair. Ben oui, on commence dans la forêt, là-bas. Oh yeah! Ils ont pas fait ça dans la version américaine, c'est tellement plus cool. Je pense qu'ils voulaient pas se donner la peine de traduire, peut-être, ou je sais pas. Mais là, c'était pas une traduction, c'était une map. Ben, ok, toi tu parles juste de la carte, moi j'avais parlé de l'intro aussi, tant qu'à faire. Elles sont vraiment cool, c'est bien. Ouais. Okay, reste mais... le pont, je m'en vais en bas. Je vais essayer. On sait, à Hollywood, les guns vont dans l'eau. Oui, et les ponts explosent. Hein. Meurs! Et je pogne le spread gun, qui est le gun le plus puissant dans le jeu. Ben, le plus puissant, c'est surtout de par sa caractéristique principale, c'est-à-dire que ça envoie des balles partout. Et tu as remarqué quelque chose de différent avec les arbres? Les arbres, ils bougent! Ouais, je sais pas, mais en fait, non. Je sais, fait une petite recherche avant qu'on s'amuse à ce jeu. Et c'est ça, la version Famicom, la cassette avait justement plus d'espace. Il y avait un processeur, je pense, spécial, justement, pour permettre des animations extraordinaires comme ça. C'est peut-être... Ah! Ça m'apprendra à parler. J'allais dire, c'est peut-être pour ça... J'étais content, tantôt tu parlais, ça avait comme fait passer ma mort inutile, inaperçue. Ah. Je veux prendre le laser. Ouais, moi je vais le prendre. C'est juste qu'il faut se discipliner avec le laser. Parce qu'il est super puissant, mais si je me mets à tirer comme un fou, ça fait plus comme un laser de Star Wars qu'autre chose. Tire comme un fou. Wouh! C'est vrai, je peux pas. Non! On a quand même perdu une vie chacun jusqu'à maintenant, ce qui est beaucoup. Ce qui est beaucoup normalement, mais bon, on se concentre pour essayer de parler. C'est des choses intéressantes. Allez-y les filles, c'est le temps. Viens les gars, vous pouvez pas faire deux affaires en même temps! En fait, on peut pas faire bien deux affaires en même temps. Ah! On n'a pas un dual core, c'est comme du faux... téléphone. Fait que c'est ça, on a fini le premier niveau. J'ai décidé que ça s'appelait le premier niveau. C'est cool les cutscenes, ça nous permet de boire de la bière. Mm-hmm. Mm-hmm. J'aime beaucoup. Alors on voit qu'il nous reste 29 vies chacun. Ouais, mais on va en gagner là. On va se rattraper. J'ai presque deux fois plus de points que toi. C'est ça comme ça. Moi j'ai le laser. Moi j'ai le spread. On oublie pas Laurent. Saute pas. Quoi?
Cool sauter. Bon. D'ailleurs, faut dire, hein, la particularité de ce jeu-là, c'est bien le seul jeu où ce que les personnages sautent en culbutant. Ah oui? Bon, on avait ça dans Mario quand on était invisible. L'étoile, là, mais je veux dire, sinon, y a-tu quelque chose de moins crédible? Attendez, je suis en train de vous attaquer, mais je vais faire une pirouette olympique. Oui, mais c'est des ninjas combattants armés américains. Ah, ok. Tu peux pas, regarde. Puis on se bat contre des bonhommes pas de bras. Oui, mais c'est des aliens, hein? Je rappelle que c'est pas clair. Ben, c'est pas clair si c'est des aliens, justement. Ben, c'est sûr que dans la cotine japonaise que j'ai lu tantôt... Oh! C'est la fois que je finissais pas ma phrase, parce que j'ai pas dit. Ça serait même la première fois. Ah, c'est bizarre, avec le laser, faut absolument pointer par en haut. Sinon, il tire sur le côté. Ouais. Oh non! Il y a un œil qui nous lance des affaires de yeux. J'ai toujours imaginé que c'était plus comme une espèce de tête de serpent. Vraiment? Ouais. Je pensais que c'était un œil qui nous envoyait du jus de Dieu. Je trouvais ça dégueulasse quand j'étais petit. D'ailleurs, voir qu'on jouait ça quand on était petit, c'est tellement bien. Téléphone! Ouais, fait qu'on était dans un faux 3D où on a tué un œil qui nous pitchait du jus de Dieu. C'est ça que c'est passé. Le meilleur débriefing de la vie. Gars, on t'es remonté à 30, toi. T'as le dit. Ça va bien. T'as rattrapé un peu, mais... Moi, je pensais que tu parlais des points. Non, moi, je parle de... Non, je suis en train de parler des vies. Là, on va s'attendre, parce que sinon, l'autre meurt, c'est pas cool. Ouais, c'est assez rare comme niveau. Heureusement, c'est le seul niveau, je pense, qu'on monte. Non, c'est le F. C'est l'arme fif. L'arme fail. On l'apprend pas. Flare, throw. Le que j'ai déjà. À quoi je pourrais le prendre pour juste avoir des points? Oh, mais t'as un qui déjà. Ah oui, j'ai le laser depuis tantôt. Finalement, sérieusement, c'est efficace. Ben, c'est juste que, comme j'expliquais, faut se discipliner. Mais c'est l'arme la plus puissante du jeu. Ouais, c'est ça. Oh non, je voyais pas les balles. Ben non. Fait que tout ça pour dire que. Ben, quand est-ce que je suis mort? Quand est-ce que t'as joué à ce jeu-là la première fois? Est-ce que tu l'avais ou tu te louais? Ben, j'avais de mes amis avec qui jouaient à des jeux quand j'étais petit qui l'avaient. Puis on aimait ce jeu-là parce qu'on. ça va pas bien. Non, non, pense en face. On pouvait jouer à ce jeu-là sur l'heure du midi et le finir sur l'heure du midi, ce qui n'était pas peu rien. Peu rien. Pas peu dire, mais peu rien. Ouais. Bon. D'accord. Là, je vais essayer de moins parler plus me concentrer. Parce que. Ben non, c'est drôle! Parle pis meurs! Hey le wow, monsieur, je vais être meilleur que toi. Ah! Wouh! Je suis pas content. La manette va mal. Vous savez, hein, quand que je chiale contre la manette, je suis pas sérieux. En passant, les amis. C'est comme un running gag. De blâmer la manette. J'ai tué un canon pour rien. Non, c'est ça, moi je l'avais. En fait, c'est le premier jeu non créé par Nintendo que ma famille a acheté. Ah oui? Ouais, et je pense que la pochette a influencé mon père parce que justement il y avait vraiment comme une espèce de mix entre Fabio puis Fabio? Ben oui, la pochette c'est un mix de Fabio puis Arnold Schwarzenegger. Donc, étant donné qu'on aimait comme un drôle les films d'Arnold Schwarzenegger. Personne qui aimait Fabio. Ouais, je sais pas. Ta mère aurait pu aimer Fabio, ton père c'est louche. Non, je suis en train de parler que mon père c'était Arnold là. Peut-être que ma mère s'est dit si Fabio est dessus, c'est sûr que c'est inoffensif. Ok, check, cache-moi, c'est comme je vais le spread. Come on! Ouais, spread un ordinateur. Oh, on voit que ça lag pas du tout. C'est le fun que ça ralentisse parce que bon, ça nous facilite la vie. Je peux quand même mourir, même quand c'est plus facile. Non! Incroyable. Je te laisse. Ah oui! J'appuie sur mon bouton sans rien faire. C'est parce que j'avais la mitraillette, fait que j'étais en mode automatique, fait que là j'étais juste par en haut pis il se passait rien. Wow. Quelle performance. Faut juste trouver le bon spot. C'est pas grave, on va l'avoir, pas loin. J'étais un peu déçu, quand j'étais petit, rendu à ce niveau-là, j'avais pas encore perdu de vie. Ouais, mais quand t'étais petit, tu parlais pas... Minute, justement, j'étais au téléphone. Ouais, fait que c'est ça, on a tué une espèce de. Ah, on est mort une grosse face. On est mort une couple de fois, là, mais. On réapparaissait par en haut à gauche, fait qu'on continuait. Oh, base 2. Fait que c'est ça, j'ai quand même beaucoup joué quand j'étais jeune. J'étais meilleur que ça. J'en ai reperdu un peu, je pense, là, mais bon. Est-ce que ça veut dire qu'on s'amuse pas pour autant? Moi, j'ai tué.
Ouais. Pis ça, la raison pourquoi on est un petit peu inspiré par... qu'est-ce qui nous a donné l'idée, en fait, de jouer à Contra? C'est Expendables! Expendables 2, qui arrive au cinéma, qui met en vedette, d'ailleurs, justement, Sylvester Stallone et Arnold Schwarzenegger, entre autres. Et donc... Oh yeah! Jean-Claude Van Damme. Bref, toute la... tout le monde est là. Puis, c'est ça. C'est un jeu... c'est un film vraiment un gros prétexte pour tuer des gens et montrer des hommes musclés. Fait que... c'est très vérin. Ouais, parce que des hommes musclés en pixels, c'est très, très, très recherché par la gente féminine. D'ailleurs, mesdames, manifestez-vous. Ben oui! On aime ça lire des commentaires de filles. Ça n'a pas grand chose. On aime ça se faire croire que les filles sont excitées par le fait qu'on soit en train de jouer au jeu vidéo. Mm-hmm. Ben en fait, c'est la réalité, non? Oh! Ah! Ça drôle. Attention! Il faut pas sauter, mais je veux dire, ça va être dur hein, de pogner le cristal sans sauter. Il y a toujours des exceptions, c'est comme une règle. Il bouge, chou, bouge, genou. Vraiment. En autant que tu fasses pas des rimes en ouche, moi c'est pas bien. Ah oui. Pour ceux qui connaissent pas la dernière tune d'Éric Lapointe, tant mieux. Ouh. C'est l'autre qui boit de la bière au boss. Ah oui, relax, man. Oh non, c'est des anges. Les anges de la mort! Attention, il y a 4 Optimus Primus en haut. En fait, il y en a 2, mais ils se split en 2. Oh shit, sont-tu pas les bulles, ils deviennent comme berserk pis capotent, ils sont pas contents? Non, mais ils remontent en haut, on est correct. Pas besoin, faut vraiment que tu les évites, surtout. Okay. Je me prends souvent pour le bleu, faut que j'arrête. Pourquoi on peut pas le tuer? Ok, comme là. Ah! Ok, là, faut tuer le gun. Il est dérangeant. Bon, c'est réglé. Ah, merde. Ouais, c'est un petit peu de ma faute. Mais non, je veux dire. Bon, il y a quelqu'un qui a gagné une vie, on sait pas qui. Parce que c'est tellement drôle, ils peuvent juste afficher 4 médailles à la fois. Évidemment, ça aurait été trop dur de juste mettre un chiffre. Oui. Ça, là, tu vas savoir ça quand t'as fini le niveau. Puis là, on a chacun notre monte charge. On peut pas prendre le même quand même. Non, mais c'est parce qu'avec des masses musculaires comme les nôtres, on serait beaucoup... Attends, je suis au téléphone. Tu vois où je change de pants de couleur à chaque fois? La teinture. Ouais, parce que Dieu sait que dans l'armée, une couleur discrète pour le camouflage, c'est bien le bleu. Mais c'est comme... Il y a un arbre avec du bleu! Oh, ça doit être un arbre. C'est quoi plus discret? Non, mais c'est comme le cliché typique de « il y a les cheveux noirs, fait qu'on va les faire bleu. » Quoi? Pourquoi? Mais le fond est noir! Mais ouais, mais... Ah, je pensais que c'était des balles! Mais là, arrête donc! Ouh, il y a un background! Les arbres aussi bougent ici. Je suis pas sûr qu'ils bougent en façon. C'est un peu hein? Ouais. Non, ça, c'est probablement genre... Je vais dire l'arme, mais c'est pas tellement une arme, c'est plus comme... Non, mais le nombre de fois que je me suis ramassé comme ça, à l'hiver, à recevoir de la neige, pis essayer d'avaler des flocons avec ma gueule, pis que finalement, ben, c'était des balles de gun. Ah, ça arrive si souvent. Non, mais je veux dire, j'allais dire que les espèces de torpilles... grenades, je sais pas comment tu veux appeler ça. Les quoi, ceux qui font... Ça, c'est ce que je déteste le plus. Y'a pas aucune arme dans aucun autre jeu qui fait plus chier que ça. T'sais, même si elle tombe toujours à la même place, théoriquement, tu devrais prévoir, regarde, elle apparaît là, c'est juste un délai. Assure-toi de pas être là dans le délai. Mais le problème, c'est que si t'es là un peu avant ou un peu après, même quand elle vient d'exploser, ben, ça te fait mal, justement. Parce que... Ça te fait mal, pis tu meurs. Ouais. Faut dire aussi, c'est un des seuls jeux où c'que une balle t'es mort. Y'a pas de barre d'énergie. Mais bon, quand t'as un truc des 30 vies, c'est pas trop dramatique. Oh shit. Vite! Yeah! Bon, ouais, j'ai le spread gun. Moi, j'ai le R, pis ça sert pas grand chose quand t'as juste un gun normal. Attends! C'est comme les ancêtres des campeurs dans le jeu de FPS. Ouais, ouais. L'autre qui campe en dessous. Ah oui, c'est le super canon. Wouah! Ça, c'était tellement un cheat. Je me souviens avoir lu ça dans Nintendo Power. Lorsque le canon arrive, mets-toi dans le coin, tu sais, comme un malade. C'est fou! Parce que les balles se rendent pas.
pense qu'on va avoir un goût de ça. Non, non, ça c'est après. Arrête de mélanger. Non, non, mais si tu disais sur le chemin, tu disais pas dans un bloc de glace avec les deux camions. Oh non, un camion s'en vient vers nous! J'arrivais tout le temps, là, quand j'étais petit, de juste être un pixel trop à droite pour mourir pareil. Parce qu'on va devoir en plein milieu du chemin. Hein? Hein? Ok, non. Hein? Qui se frotte s'il meurt? Qui se frotte s'il meurt longtemps. Hein, tu un gars? Tu vas prendre le laser? Ouais, c'est bon, pour tuer la chocoupe volante, ça va bien. Ah, pour de vrai, ouais. Prendre le laser disc. Laser. C'était même pas. Oh, dans ce temps-là, il y avait des laser discs. Ben oui, arrête. Ah! J'avais besoin de ton gun! Ouais, mais. C'est pas grave. J'ai confiance. C'était un gun à la soucoupe. C'était elle pour la soucoupe meurtre. Ouais, mais t'as quand même le spread, là. Ça arrive de venir. Party! Facile. Hein? Confiant. Très confiant. Je te dis, Van Epen, tu changes tout le temps de couleur. On est 20 pis on le sait pas. Non, mais en fait, c'est peut-être parce qu'il salisse. Ouais. Ah non, en fait, c'est à chaque fois qu'on meurt, on revient avec une autre couleur de pants qui est pas la même couleur de pants. Vous avez vu, là, il y avait les pants verts. Ça a du sens. Mais il y a des pants bleus, en tout cas. Regarde, tu vois, c'est un tunnel en dedans. C'est le fun de savoir, tu comprends. Si on est américaine, on sait pas où ça. On sait pas quand ça finit, on sait rien. Hey, t'as rien fait, je connais. Ah, cool. Oui, c'est vrai, la salle, les bonhommes sont assez intelligents. Ils ont juste des sacs à dos pour exploser, maintenant ils tirent. Non seulement ils tirent, ils se penchent. Ils se penchent pour tirer. Ah, je les prends. Prends le fait là, non, non. Ouais, ouais. Ah non, de toute façon, on va mourir là. Tu peux pas traverser en haut. C'est impossible. Non, le laser, il est super. Je te dis, mais non, check le truc là. Tu fais ça. Ça. Ouais, t'as raison. Ah, regarde, je suis pas mieux. Ah, c'est ça. Ah, là. T'as dit mon spread. C'est une question d'orgueil. Ça fait changement. Oui. Attention. Et là, je pensais qu'elle allait avancer. Prudence! Ah! Et? Ça va bien? J'ai pas sûr d'être dans Megaman quand je fais ce bout-là. J'avoue, hein? Attention! Ouch! Ça m'a fait mal. Je pense que je pouvais passer par-dessus. Ah! Je voulais pas gagner l'invisibilité puis tu m'empêches d'avancer. Ok, là... Ah! C'est mauvais. Ah, c'est mauvais. Attends une minute, là. Bon. C'est un des rares jeux aussi au NES qu'on peut jouer deux en même temps. C'est sans vraiment... se nuire, comme Battletoads. Ben, on se nuit quand... Ben, je veux dire, ouais, on peut pas se toucher, mais je veux dire, quand l'autre avance pas, des fois, on provoque des morts accidentelles. Ben, ouais. Effectivement, Battletoads, c'en est un autre Double Dragon. Je sais pas si Double Dragon, on pouvait se nuire, je me souviens. Double Dragon, tu pinces sur tous les boutons en même temps que ça fait déjà. Ouais. Button Machine, par excellence. Bon, qu'est-ce qui se passe ici? Y'a pas un boss? Ah, c'est pas justement le lutteur, c'est le ouais, c'est Goldorak évolué. Après Transformer. Il faut que... Oups, j'allais dire, il faut que tu sois tapé ici, mais... Ah oui, il va venir nous voir après. Ouais, il va chiller. Ah. Faut sauter par-dessus, pas dessus. J'aime ça quand il meurt, il change de couleur. Bon! Y'a rien là. On a ça assez de vieux pour se rendre jusqu'à la fin? Sûrement. Oh! Un autre bonhomme! Hey, il nous tire dessus! Il est pas cool! Je suis pas cool! Ben, c'est mon bonhomme, ça. Mais non, c'est moi le bleu. Non, check, non! Check, je vais aborder le bleu. Je le sais, mais il a les cheveux bleus, donc c'est celui qui a les cheveux noirs. Donc c'est celui qui est en rouge. Toi, t'es le blondinet.
qui a les pantalons bleus. Ça met des fois vert. Yeah! Oh, c'est la toune. On vient avec la toune du début. Là, faut faire attention parce que les rails, si on marche dessus, font mal. Ouais? Ouais. Ah oui, il brille. Si ça brise, parce que ça fait mal. C'est pour ça qu'on a besoin d'un petit train. Mais moi, je passe en haut. Pas sûr? Ouais. Regarde, tu veux-tu prendre? Hein? Hein? Ben, c'est où d'abord? Je me mélange avec quel jeu? D'abord, mais. Oui, on va mettre des murs avec des pics, ça va arrêter les gars avec les guns. Ouais, bonne idée, Captain. Les extraterrestres, là, ils sont pas très grands. Ouais, on va mettre des murs qui poussent. Ouais, mais peut-être que c'est une bonne idée. Qu'est-ce que je fais là? Oh yeah, c'est moi! Pensez-vous de là, faut que j'aille voir mon chum! Pas de quoi! Hein! Hein! Tu tires même pas, c'est comme hey, je t'invincible! Hey, attends-moi! C'est pas une mitraillette! Ah! Merde! On peut pas sauter là, on meurt! Hey, j'ai pas ni un spread, je suis heureux! Ah, mais là, je vais mourir! Non, non, tu peux sauter là! Ouais? Ouais! Ok, go! Non, on peut pas! Non. C'est le même jump, j'aime où je vais faire le même jump que le deuxième. Je suis pas content, j'ai perdu mon spread. Je suis pas content, j'ai perdu mon spread. Oh! En lisant des murs, je serais capable de détruire avec mes temps! Ah oh oui, c'est vrai, il y a un pattern. Ben, le pattern, c'est 1, 1, 1, 1, 1. Voyons! Plus proche, loin. J'espère pas faire. Arrête de me tirer dessus! Je m'attache. Des balles magiques. Je vais pas savoir des balles. Pas pas mal. Mais voyons! Et t'es pas alerte. C'est génial, ça! Wow! On va voir. Tu as juste 3 vies. 2 vies. Aïe aïe, ouais. Faut que je me calme. Concentration. C'est quoi déjà? Ici, ici, ici! Ah merde! Wow! Ben merci. T'as fait une bonne job. Yeah! Attention, c'est le gars qui est fan de faire. C'est toi qui nous tire après! C'est le dernier niveau? Je pense qu'il y a... Alien's Lair, c'est le dernier niveau, man. On va y arriver. On reste 16 vies, t'en reste 2. On est rendu à la fin. On devrait y arriver avec 18 vies à 2. Bah oui. Regarde, le niveau complet bouge. C'est pas assez dégueulasse. Moi, ça faisait peur quand j'étais petit. Ça va. Mais le... Non, le niveau, est-ce qu'il bouge aussi dans la version américaine? Très bonne question. Ah oui, ça me faisait peur, il y a comme des crevettes et des pénis. C'est vraiment bizarre. Yes. Moi, je vois plus la référence à Aliens que qu'autre chose. Non, attends, tu vas comprendre. Je peux l'avoir compris? Non. Ben! De quoi tu parles? Où ça? En haut? En haut à gauche, là! Ouais, t'es niaiseux. T'es dégueulasse. Wow! Bon. La rivière qui bouge. Oh, le spread, gars. Que je vais prendre avec plaisir. Parle pas, c'est parce qu'on est concentré. Ouais, hein.
On veut vraiment le finir. Bon, attends. On va essayer de faire ça comme il faut. Là, ce dernier monstre, c'est un cœur. C'est une terre. Ça mélange avec un verre. Non, mais tu sais. Non, ça serait vraiment dommage. Ah, c'est vrai. Ça veut dire qu'on arrive au cœur. Ben oui, parce que quand on voit des... C'est ça, ben... Approche. Ok. Non! Je sais pas si on va tuer les affaires en bas. Non. Ouais, c'est ça. On va tuer le public plus tirer les... Ah ouais? Ah, tu fais-tu le cœur pareil? Ben oui, direct, man. Good job, dude! On a sauvé le monde encore! C'est ça qu'on t'a. Puis, ce qui est hot, c'est que si on avait des cutscenes tout le long, on a un cutscene à la fin. Explose! Explose! Non! Vous, quand je vois l'hélicoptère, je veux que ça explose. Ben non! Méchant, Giz! Méchant! C'est la fin! Ah, mais ça, c'est la même chose. Ça, on le connaît. C'est la même tune. La tune, on la connaît. Tom, 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 tom. Donc, on est arrivé, on y est parvenu. Est-ce qu'on aurait réussi sans le truc des 30 vies? Jamais, au grand jamais. Ben là, toi, t'as perdu 32 vies, moi, je l'ai perdu 18. On était pas si loin que ça. Ah, oh, c'est parce que la manette était défectueuse. Ouais, c'est des manettes Doug Bone sur mon Famicom. Méchante manette. Non, ah! C'est quoi, là. Fait que... Ben oui, maman! Est-ce mon haki? Ou dire maman? Et chikawa? Si t'es pas pour être plus respectueux que ça des Japonais, je pense qu'on va aller avec un Jamaïcain. Next. Mais c'est pas une question de respect, c'est que je fais un effort. Tu fais un effort de dire n'importe quoi! Donc, si vous avez une idée pour notre prochain jeu, là, on a essayé un titre que tout le monde connaît. On s'est dit, le monde va être heureux. Puis peut-être que ça l'attire des filles. C'est toujours l'intention cachée derrière chacune de nos décisions. Donc, écrivez-les dans le commentaire si pas. Ah oui, vous pouvez aller voir nos anciennes émissions. Voir elle. Puis elle, c'est des bonnes émissions parce qu'on les a faites. Game over.